Il y en a là aussi. Mais je vais vous montrer où c'est le plus inquiétant. C'est là. Vous dormez ici ? Oui, c'est ma chambre. Enfin, c'est la seule chambre, donc. C'est surtout à travers ce mur que... Vous cherchez les canalisations ou... Je ne trouve pas que de l'eau, vous savez. De manière plus symbolique, une sorcière est une personne qui a la capacité de trouver quelque chose de caché. Ça peut être de l'eau sous terre ou un tas d'autres choses. Du coup, vous voyez quelque chose ? Ce sont les baguettes qui voient. Le reste est une affaire de ressenti. Le mur est un symbole. Ce n'est pas la source du problème. C'est juste une image. Je demande si une âme décédée est présente ici. Je demande où se trouve cette âme. Je peux vous demander pourquoi vous prenez ces médicaments ? C'est pour mes humeurs, pour m'aider à dormir. Et qu'a dit votre médecin quand vous lui avez parlé des bruits dans les murs ? J'en ai pas parlé. Enfin, j'aurai encore plus de boîtes sinon. Et votre famille ? Vous savez, la famille, ça fait des années que je me débrouille seule. Vous pouvez me parler un petit peu de vos humeurs ? Je vous l'ai dit, c'est à cause des bruits dans les murs. C'est tout. Estelle, je ne crois pas qu'il y ait des esprits qui veulent vous faire peur. Écoutez. Que disent les voix ? C'est incompréhensible. Je comprends pas. Écoutez bien. J'entends surtout une voix. On dirait une voix de femme. Une voix qui appelle à l'aide. Je crois que vous cherchez une raison extérieure et une peur très profonde qui vous habite. Je vous crois. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai entendu des esprits toute ma vie. Je peux les voir aussi.
Ils ne veulent faire peur à personne. Ce sont eux-mêmes qui sont apeurés. Parce qu'ils sont seuls. Je crois que... je me sens plus très bien dans cette maison. J'ai besoin de... partir un peu. Je crois.